T'es pas trop synchro. Pas du tout. Mais... Comment vous allez aujourd'hui, les amis? Ouais, ça va bien. Ah, on est content. Aujourd'hui, on a plein de choses à gérer. Oh oui, regardez tout ce qu'on a. Plein de nouveautés pour la maison, dont un robinet. Un robinet. Ça fait un moment qu'on l'a, ce robinet. Mmh. Et on s'est dit non, on vous attend pour le faire. Ah là là, et je vous jure qu'on n'en peut plus. Et c'est vraiment relou, quoi. Ah oui, oui, bah oui, c'est chiant. On peut pas se servir du lavabo, on peut même pas vraiment le nettoyer et tout. Enfin, c'est super chiant. Mais surtout, 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 on va faire ça, non? On a trouvé un meuble qui extérieur. Irait dehors là pour poser le truc. Ouais, on l'a trouvé sympa. Chez Alinéa. Ouais. Je sais pas la dernière fois qu'on a acheté un truc chez Alinéa. C'était vraiment il y a longtemps. Il y a 30 ans. Je me rappelle à l'époque on allait à Aubagne à Alinéa, tu te rappelles? Ouais, moi aussi. C'était mais moi je croyais qu'Alinéa ça avait fermé, mais non, pas du tout. Bah ouais. Et du coup il a l'air vraiment beau. C'est un meuble de cuisine du coup. Cuisine extérieure du coup. Donc parfait. Mm. On est au top. Bah ouais. Et on, c'était quand même. C'était le même prix que genre pour Ikea, mais par contre c'était beaucoup plus beau. Bah, et surtout le dessus, je crois que c'est du granit. Ouais, voilà, c'est voilà, ça. Ça c'est... Chez Ikea, il y avait pas le plan de travail. Il y avait pas le plan de travail pour 500 euros chez ouais, Ikea. Ouais, c'est ça. Donc là, c'était 440, je crois. Avec le plan de travail. Ouais. Et sinon, il y en avait un autre dans le même délire, sans le plan de travail en granit, c'était dans les 200 euros. Ouais, une mais il était dessert. Moins beau. Ah oui, carrément. Il était vachement moins beau. Du coup, ça, ça irait bien avec le reste, j'espère. J'avoue, j'ai un peu peur que la couleur du bois, ça aille pas, mais on verra bien. Et on sait jamais trop. Ouais. Les trucs extérieurs, des fois, t'as un bois qui est un peu plus foncé. Là, pour le moment, tous nos bois sont à peu près pareils, mis à part la table. Ouais, mais parce qu'on l'a ruiné. La ça table, va il a oh. plu. Regardez, avec la pluie, ça va un peu mieux. Ça va un peu mieux, ouais. Elle est un peu moins brillante. Il faudrait qu'on la matifie quand même. Ouais, je pense. Il va falloir qu'on le voit. Là, ça fait plus satiné. La dernière fois, ça faisait vraiment vernis. Eh, mais ils ont rien vu. Ah mais oui, on vous a pas montré, parce que depuis la dernière fois, il y a le jardinier qui est passé, du coup il nous a terminé le jardin. Ah c'est trop donc regardez, donc il nous a mis du romarin, de la lavande, du romarin, de la lavande, du romarin, et plein de petits cailloux blancs. Oh ça change tout. Ouais. Ça change vraiment tout. Je regrette pas, après apparemment ça tient pas dans le temps, donc... Ben bon. Ça va devenir pourri quoi. Ben c'est ça. Mais bon, là c'est très blanc quand même, hein. Ouais. J'ai l'impression d'être en Grèce, tu vois. Mais je trouve que ça va vraiment bien. Ah ouais, moi aussi. Au début, on savait pas trop quoi faire. On avait peut-être... Au début, on avait mais opté nous, pour des... On est nuls, vraiment. Des trucs en bois là. Mais comme il y a là-bas. Voilà, au début, on devait mettre des trucs comme ça. Comme il y a là. Mais c'est bon, ça aurait été. Et on en a vu sur un rond-point, on a dit non. Étape number one. Et il y a un tanguy, c'est pratique. Et il y a des roulettes qui cassent tout. C'est pratique, c'est pratique aussi. Et il y a une roulette morte là. Et... Ça doit être bah ouais, trop bizarre. Bon, on va enfin. Ne plus voir ça, franchement, c'était horrible, hein. Vraiment. Ouais, ouh, j'ai failli me ramasser la tronche alors que je savais qu'il était là. C'était bien pour. D'appoint, quoi. Voilà. Ouais. En attendant. Ouais, c'est ça. Puis je sais pas pourquoi il y a du merdier tout autour là. Non, mais c'est le problème avec. Ouais. Il y a du merdier partout. Grave, c'est clair. En dessous, on a le carton du four et tout, on va pouvoir le virer, non? Ouais. On va plus trop le transporter. Hein. Bah non, il faut qu'on nettoie d'ailleurs le four. Hein. Donc on enlève tout ça, on nettoie et après on va installer ce meuble. J'ai trop hâte, j'espère qu'on va pas être déçu. J'espère aussi. C'est... Regardez la déception là-bas, là c'est la plus grosse déception de l'année, c'est quoi? C'est l'arbre de la chambre de Lily. Faut qu'on le renvoie. Mais c'est bon, normalement on a trouvé le nouveau thème. Wow, oui, on sait pas trop. Ouais, parce que Tanguy doit faire un gros DIY, du coup je suis pas sûre qu'il ait très envie. Non, je suis chiant. Mais c'est quoi, on faisait des blagues, on était marrants, mais on a pas filmé. Ouais. On va pas les refaire. Non. Tanguy est en train de monter le meuble. Je filme jamais, c'est terrible. Bon, la couleur, elle est comment? Non, ça a l'air sympa. Et ça ressemble beaucoup à. Et il y a un truc bizarre sur la table. Ouais, depuis tout à l'heure, il y a vraiment, c'était pas un peu dead. Il est dead, hein. Arrête, tu vas lui faire mal. Et il va me sauter dessus d'un coup. Non, il est pas dead. Non, il dormait. Ça ressemble beaucoup à ça. Bah, c'est un peu le même délire, même ça. Tu vois. Est... Bah, ça, là, c'est plus jeune, c'est passé, mais c'est plus vieux, c'est, ouais. C'est dehors. Non, ça a l'air bien. Non, franchement, pour l'instant, on est content, T'es content, Doudou? Non, c'est pas toi, c'est pas toi que je parle. Content. Doudou, t'es content? Doudou, tu nous mets des poils de partout, des trous de poils dans le jardin, Doudou. Pas possible, hein. Il est vraiment content, hein. Bon alors, il est trop jaune pour toi? Il est un peu jaune. Un peu jaune. Par contre, la porte, t'as vu quand tu l'ouvres comment ça fait? Quoi? Ouvre-la. T'as vu, c'est galère. Elle est trop proche du... Bon après, ça va s'user. Mais bon... Franchement, chez Alinéa... Bah du coup, oui. C'est n'importe quoi, leur histoire. On a quand même envoyé un mail, hein. Parce que c'est abusé, là. Ouais, ouais. Bon, ça va s'user. Bon, maintenant, ce qu'on va faire, on va prendre le granit, là. Mmh. On va le poser là. Ça, j'ai besoin de ton aide. Ouais, ça a l'air sympa. Non, c'est un peu lourd, par contre. Oh, putain. Donc, allez, on vous pose. Je vais y arriver. Et on le fait. Oh, tout cassé. Mais t'as foutu en l'air. Il y avait du polystyrène par terre. Il a marché dessus, il en a foutu partout.
toi-là. C'est pas bon. Non, toujours pas. Pardon. Tu soulèves. Ah ouais, il y a un... Il y a un bout de bois. Le bout de bois, il est sur l'intérieur. Ah, bah, je sais pas. Là, c'est joli. Ah, c'est beau. Sympa. Mais il y a de belle façon là-bas quand même, je suis pas contente. Franchement, c'est trop beau, je crois qu'on l'avait déjà montré, mais c'est pas grave. Ouais, mais maintenant il y a une prise d'air. Ouais, trop bien, on va pouvoir allumer ça. Parce que ceux-là, on pouvait pas les allumer du coup, vu qu'il y avait pas de prise. Maintenant ça marche. Ouais, maintenant ça marche. Ça là-bas, j'espère que ça va partir vite parce que franchement, ça me déprime de le voir, un truc de ouf. Et là, maintenant, ce qu'on va faire, tout est rangé là. On est bon, on est au top. On est bon. On est au top. On est fini. On est au top, on est au top, on est au top. On est fini l'extérieur. Et maintenant, on va nettoyer ce que les chats ont complètement ravagé, c'est-à-dire là et partout là-bas. Franchement, je suis dégoûtée. Même sur le fauteuil là-bas. Ah ouais, ça c'est dégoûté. C'est... Ouais, moi aussi. Il était là, dans, en train de vivre sa plus grande vie, et nous après, faut c'est tout prendre. En deux jours, tout était pourri. Ah ouais, non, mais de toute façon, vraiment, même le sale, hein. Genre, les chats, ils pourrissent tout dès qu'il pleut. Bon, maintenant que le jardin est fini, normalement, ça devrait aller. Ça devrait aller mieux, là, ouais. Il marche dans la boue, là, entre l'herbe et, et la terrasse. Ouais. Et donc, du coup... on a acheté ça. Ouais. C'est quoi, c'est une champouineuse, on appelle ça? Un truc à moquette. Ouais, c'est... une champouineuse, peut-être. Ouais, c'est un aspirateur. Il y avait genre 20 000 avis sur ce truc, un truc de ouf. Ouais. Mais nous, on a pris la version animaux, c'est ça? Non, on n'a pas pris la version animaux. Ah, d'accord. La version animaux, c'est pour ramasser, genre... On avait discuté pourtant, non? Ben non, on avait dit, on va pas... Ah, c'était bizarre sur la photo. Non, mais... on peut l'acheter en plus, si on veut. Non, mais attendez, la photo, c'était super bizarre. Et ramasser directement de la gerbe, même le tapis. Genre, il y avait un tapis. Là, c'est le tapis. Là, il y a un tas de gerbes. Et ils ramassaient la gerbe comme ça. C'est dégueulasse. Bon, du coup, on a pris le normal. Ouais, on était un peu choqués. À part mettre un peu de boue. Voilà. Ouais, voilà, c'est ça. Ils sont pas tout le temps en train de vomir partout. Même c'est si, clair. Oui, la dernière fois, je me suis réveillée. Il y avait juste là où je me prépare mon petit déj. 6h du matin. Bah, je sais même pas comment t'expliquer ça. Alors que j'étais partie un quart d'heure avant. Il y avait rien. Genre, je me suis dit, il est parti, il a fait semblant de rien, mais non, il y avait de la gerbe à l'extrême. Je sais même pas comment un si petit corps peut faire ça, mais bon, bref, bon appétit si vous mangez, bien sûr. Et donc, la champouineuse, c'est parti. Allez, on y va, on shampoing. Ouais, je sais pas comment on fait ça, moi. Ah, mais il y avait pas un truc, un produit? Si, il y a un produit. Ah, il faut que je sais pas où je l'ai mis. C'est horreur quand Tanguy me dit ça, je sais pas où je l'ai mis. Hein? Il y a un produit avec. Ah! C'est le même. C'est le même, mais en petit! En tout mignon! Du coup, bah ouais, on va essayer. Franchement, j'espère parce que j'ai le fauteuil dans ma pièce maquillage qui est taché de fond de teint aussi. Et du coup, j'aimerais bien que ça fonctionne, ça m'arrangerait. Vu les 20 000 avis, franchement, je pense que ça fonctionne. Et tout le monde nous a conseillé celui-là, une fois qu'on l'avait déjà acheté. Ouais, bah ouais, donc. Souvent, on vous demande vos conseils, mais c'est trop tard quand on le poste. C'est chiant, et pourtant, nous, on poste hyper rapidement. Mais. Sympa! Bon, rouge. Alors, comment ça fonctionne par contre? Oh là là, on en a pour des heures. Mettre de l'eau, je crois. Bah, je pense. Hein. Sinon, je sais pas comment ça va nettoyer. Alors, Make-up Touch. Quoi? On met ses chaussures. Make-up Touch, elle nous a fait un coup de mal à la tête. Elle est partie se coucher pendant une heure. Ouais. Moi, pendant ce temps, j'ai tondu le gazon. Et ouais! Ah, avec quoi? Avec ça? Avec ça? Avec ma petite tondeuse? Ça va, c'était facile. Quoi? La tondeuse Peppa Pig? Ouais, ouais. Elle faisait des bulles et tout, et du coup, le gazon, il avait peur, il s'auto-tondait. On a acheté ça à Lily, c'est la dernière fois, on en avait une en grande surface et. Elle a fait un caprice. Ouais, c'est la première fois. On lui a dit non, tu fais pas de caprice. Non, on était pas contents, mais elle était pas belle, celle qu'on avait non, vue. Non, elle était abîmée. Mais on en a acheté une autre, du coup, on l'a commandée, celle-là sur Amazon. Elle est contente, elle joue bien avec. Ah ouais, elle adore, elle a déjà pété. Moi, je m'en suis acheté une. Elle est là-bas, je l'ai mise à l'ombre, donc vous la verrez pas. Je vous mettrai le lien si vous voulez, mais bon, ça vous intéresse pas. Électrique en plus, à batterie. J'ai tout tendu. Cool. Ça m'a même pas usé les batteries de faire ça. Tu m'en as foutu partout là-bas. Ouais, parce qu'après j'ai pris la tondeuse. J'ai dit je la descends. J'avais passé l'aspi et tout là-bas, s'il te plaît. Ouais, mais là c'est pas grave. Je suis venue avec mon aspi, je l'ai passé là-bas. Quand je l'ai soulevé, je l'ai porté, j'ai senti que ça me tombait dessus et c'était des résidus. Tu veux pas qu'on aille shampouiner? Allez, allez, venez. Allons shampouiner. Et oui, je pensais à un truc. J'ai commencé le montage du vlog d'hier, du coup. Et à un moment donné, dans un reflet d'un truc, il y avait marqué Cuisine Plus. Il devait pas nous appeler cette semaine Cuisine Plus. Ah ouais, ouais. Et quand t'es jamais nous appelé. Ils nous rappelleront jamais. Putain, c'est abusé. Oh, Cuisine Plus, vraiment. À moins qu'ils aient vu le vlog, ils ont dit, oh, c'est bon, rien à foutre. C'est bon, ils ont commandé leur cuisine ailleurs. C'est vrai. Allez. On va choupouiner. Comment on fait? C'est même pas branché. Bah, il faut le brancher. Alors, j'ai mis de l'eau. Il faut mettre de l'eau raisonnablement chaude. Il y avait marqué sur la notice. Ouais.
C'est n'importe quoi, de l'eau tiède, quoi. Bah, je sais pas. Il y avait un truc qui a marqué 60 degrés, mais je savais pas si c'était plus ou moins ou 60 degrés. 60 degrés, c'est super chaud. 60 degrés, c'est chaud. Mais je croyais que c'était pas plus que 60 degrés, mais c'était vu que c'était un pictogramme et marqué attention 60 degrés. Ouais, en fait, pas comme nous, on a rien compris. Quoi. Donc il voilà, j'ai mis de l'eau tiédasse, et de toute façon, ça fait 2 heures qu'elle est là, elle est à température Tanguy. Du coup. Eh oui, bah, comment tu fais sinon? Non, mais c'est bien, c'est parce que c'est une galère. Ah, tu peux essayer ma nouvelle prise. Mais bon, dans le doute, essaye la prise qui est déjà là-bas. Ouais, j'ai peur. Tiens, je vais aller priser. Merci. Ça filme, attention, il m'a dit. Attention, make up tèche, fais attention à ce que tu fais là. C'est une connerie. Par contre, je sais pas, j'ai l'impression d'être en télé-shopping M6 là. Non, ça me plaît pas des masses. Non, bah juste voilà, c'est comme ça. On n'est pas en télé-shopping M6 ici, on va pas déconner. Waouh! Quoi? Là c'est blanc, là c'est jaune, là c'est jaune, je comprends pas. Mais pourquoi? Parce que là, en fait, tu là as où le, y a le coussin, du coup ça ne voit jamais le soleil. Là le soleil qui brûle. Là le chacha qui bousille. Voilà. Ça marche ou pas? Là la menace qu'il a mis la machine. Et ouais, vous l'avez tous ravagé. Apparemment ça fait très beaucoup de bruit. Et les gens ils disaient... Et c'est horrible. Oh, oh, oh. Dans les oreilles, hein. Faudrait mettre des trucs. Ouais. On dirait les vieux aspirateurs. Ah ouais, non, mais si vous avez des migraines, mais c'est horrible. Moi, je pourrais pas le faire pendant 10 minutes, quoi. C'est un déclencheur de migraines de ouf. C'est horrible, je m'attendais pas à ça. Ça marche pas de ouf, hein. Ça va pas très très... En fait, c'est trempé. On a peut-être attendu un peu trop longtemps avant de le faire. Eh ouais, bah oui, c'est ça, on l'avait pas à la machine. Oh là là. Ça a quand même enlevé, mais pas tout. Alors, verdict. Il est trop vite. Il y a des traces de fond de teint, mais qui sont incrustées de colle à fossiles et tout. Ouais, non, mais ça marche bien. Là, il y avait plein de petites taches, on vous a pas montré le avant, mais ça a bien enlevé. Ouais. Là, il y en a une grosse, bah celle-là, j'ai essayé, ça part pas. Même les fauteuils, là, bah je les ai fait, ça a enlevé tout le pollen je et la poussière si qu'il y avait dessus. Je pense que si tu fais de suite. Bah oui, ça doit marcher. Ah, c'est tellement incrusté aussi, par mais contre, franchement, le bruit, ça. C'est horrible. Moi, il a fallu que je mette les AirPods avec réduction du bruit parce que ça me donnait mal au crâne. Ouais, et j'ai un poil qui me gêne là, ça me rend ouf. Un poil au nez ? J'ai un poil c'est là, un cheveu, c'est là. Un cheveu qui est dans tes tu cils. Tu le vois ? Oui, oui, je le vois. Non, mais c'est là où ce qui me reste. Ah, attends, il revient. Mais il est fou celui-là. Il est énervant. Hein. Ah, ouais, ouais. Et là-bas, une fois au soleil, vous verrez rien. Mais on dirait qu'il y a presque plus rien, peut-être un peu là. Je sais pas ce qu'on voit, à mon avis. Par contre, t'es passé où ? Je suis partie, je ramasse. Par contre, vraiment, genre, moi qui. Vite mal à la tête, je le ferai pas quoi. C'est dur. Hein. C'est horrible ça. Fait non, faudrait mettre un casque anti-bruit. Ouais, ouais, voilà, faudrait que je t'en aille. Faut pas faire ça la nuit si t'as des voisins quoi. Mais c'est horrible ça. Voilà. On va faire des trucs dans ça. Oh non tout ça, ça s'est nettoyé aussi. Il y avait une tache la dernière fois. Je sais pas ouais, si on l'avait acheté. Je sais pas si on l'avait taché dans le camion ou si on l'avait. Acheté taché. Ouais. Bon, c'est pas. Je sais plus. On va mettre le casque. Faites pas attention au bordel. Non, non, hop, on vous cache, vous voyez pas. Rappelez-vous. Et ça date d'un moment, il était temps. Hein. On avait acheté cette affiche et on l'a mise dans un cadre mais qui ne va pas du tout. C'était le seul cadre qu'on avait. Il est en fin de vie d'ailleurs, il n'y a plus rien qui tient derrière. Et du coup, on a enfin, on l'a reçu il y a un moment, mais du coup, on vous attendait. À chaque fois, on vous attend et du coup, après, genre, s'il y a un problème ou quoi, on ne peut plus renvoyer. C'est ça, c'est trop tard. On a commandé comme d'hab sur des Enyo, au moins on sait que ça va, qu'on aime bien. Ouais. Bah, c'est la même que celle qu'il y a derrière. Ouais, donc, voilà, c'est ça. Au moins, on sait que c'est la même, le même cadre. Quoi, c'est pas donc. Bien. Bah, on va mettre ça là-dedans et on va le mettre ici parce que tout le monde était d'accord avec moi. Ah ouais ? Moi je suis pas sûr. Hein. Ah mais tu veux le mettre où ? Bah je sais pas. Oh je pense qu'on aurait pas dû l'acheter ce cas. Ah bon ? Cette affiche ? Ah elle est super jolie mais je sais pas où la mettre. Tu m'as gonflé pourtant avec cette affiche. Non, je t'ai demandé si tu voulais l'acheter. C'est tu m'as dit vrai. Oh ouais, vas-y. Bon bah allez. C'est vrai, je suis vraiment méchante. Ouais. Non, là il va trop bien, tu le gosses. Si, c'est tout vide là. Bah allez, on fait ça. Je vais chercher mes petits gants pour transférer l'affiche et après. Alors voilà, Make-up Touch est pas loin de la migraine. Et Tanguy met des poils dans le. Et franchement, c'est chiant ton truc, il m'en a redéclenché une. Le. Ouais, c'est horrible. Toi, tu l'as voulu. C'est vrai. C'est moi qui l'ai voulu et je pourrais pas le passer, c'est magique. Offre-moi un casque anti-bruit, hein, parce que sinon. Il y a plein de peluches. Mais non, mais j'ai vu, tu l'as mal fait, j'ai vu. J'ai tout vu. De suite. Oui, j'ai vu. Non. Si, franchement, t'as fait un peu à l'arrache comparé à d'habitude. Non, mais vraiment, c'est pas une blague, j'ai trouvé. Comment ça ? Que tu faisais un peu à l'arrache. Comment je fais maintenant? Mais je sais pas, j'ai c'est confiance en toi, ma biche. Plein de statique. Mais allez, en avant, Guingamp. Oh non. Oh là là, mais va la ruiner. Mais va finir déchirée. Non, mais c'est pas possible, tu fais pire que pire là, je pense. Hein. Tu crois? Attendez, touche à rien, je m'en occupe.
Ou pas, parce que j'ai une migraine, donc je compte rester dans le canapé. Le mec, oh, j'ai jamais vu quelqu'un faire un trou comme ça. Il prend son truc. C'est du placo. Au début, il fait un petit trou comme ça, puis après, il tape là, comme ça, dessus, pour qu'il rentre entier, presque. Il rentre tout ça, genre. Il rentre tout le tournevis. Ouais, voilà. Au début, il rentre ça, et après, il rentre le truc jusque-là. J'ai jamais vu ça de ma vie. Mais le placo, tu vas chercher une mèche et tout, tu fais de la poussière, alors ouais, qu'avec un tournevis, tu fais un petit c'est trou vrai. Dedans. Le mieux, c'est de continuer à faire de la poussière sur ton cadre tout beau, tout neuf. Je suis très bien. Que je l'ai démonté 5 fois. Ouais, ah ouais. Oh, il y avait des pluches de partout, c'était insupportable. Je vais y me ramasser sur tes trucs, là. Vas-y, Tanguy. Oula, il y a quelque chose derrière. Oh. Oh merde. La vie, c'est trop longue. Oh merde. C'est grave. Ah non, mais attends. Pourquoi? Eh non. C'est ma vie, c'est pas adapté. Ah, j'ai que ça, parce que elle est... Elle vise pas jusqu'au bout. Bah, démerde-toi. Vas-y. Eh ouais, mais là, je vais niquer mon mur, là. Ah. On a un problème. Quelle burne. Tanguy, la burne. J'en ai marre, mais mes vis elles sont perdues, je sais pas où dans au le garage. Garage, regarde, j'ai inaccessible du sol au plafond. Oh, c'est relou. Alors sachez qu'on a perdu une vis dans le. Elle est passée derrière, j'ai jeté derrière. Tanguy, je l'ai vu. Attendez, faut que je vois pas Tanguy. Vas-y. Il était comme ça, il a dit. Et merde, elle est partie dans le bord. J'étais partie chercher une. Ah ouais, ok. Ouais, mais du coup ça m'a fait un. Et lui, il est complètement perché, non, c'est mais terrible. Oui, non mais c'est on le filme tout le temps. Sur la chaise haute, c'est lui qui s'y met. Hein. À chaque fois, on nous dit c'est pas possible, c'est vous qui le mettez. Ah pas du tout, non. Mais non, il s'y met en permanence, c'est son sa mon chaise haute. Amour, mon petit bébé, il est où mon deuxième bébé? Il est là. Et mon troisième bébé, il est pas là cet après. Mon amour, mon amour. Ah ouais, mais toi, il faut qu'on contrôle si t'as pas des millions de tics un peu partout. On te connaît, toi. Le goûter du Tanguy, le goûter du rééquilibrage alimentaire. Avec une pomme, des baies de goji, des amandes. Oh bah tiens, c'est étonnant, puis tu t'en fous en plus. C'est ça étonnant sera pour Chacha. Aussi. Chacha, on le voit derrière, il est toujours dans le même état. Allez, bois ton truc. On dirait que tu t'es fait un sirop de menthe, pas du tout. C'est ton kombucha du dernier vlog. C'est pas ça, c'est trop bon. Oh là là, j'ai envie d'en graille. Et ça, par contre, au chocolat noir, c'est vraiment, super bon. Non, mais c'est super bon au chocolat au lait. Non. Pas au chocolat. Et t'as acheté beaucoup de choses. Hein. Mais oui, mais parce que. Mais c'est grand ça. Quand on est allé à l'hôtel, on s'est dit on va faire un room service. Et puis en fait, il y avait rien. C'est aussi, il y avait un taboulé de lentilles, c'est tout. Ouais. Avec un autre plat. Ouais, ouais, c'était et pas donc, ouf. On avait dit bah, on va s'acheter des trucs pour grailler. On a acheté ça. Mais bien sûr, on l'a pas mangé. Bah, c'est moi, j'ai pas pris ça. C'est pas trop mon délire. Prochaine étape pour aujourd'hui. Regardez, on nous accompagne. Mais pourquoi il y a le cutter par terre et tout? Mais Tanguy, il étale un peu partout, c'est terrible. Oh, je vous jure, j'en peux plus. Il étale tout. Genre, il est allé faire une machine, du coup, il a ramené son bac à linge là. Il a utilisé ça, du coup, il l'a laissé là. Il a utilisé ça, du coup, il l'a laissé là. Il a utilisé ça, du coup, il l'a laissé. C'est horrible, j'en peux plus. Le microfilm. La microfilm, il l'a utilisé, donc il l'a laissé là, je n'en peux plus. Le chouchou de Lily, j'ai trouvé dans ma chaussure ce matin. Où ça? Mais tu vois, t'es horrible. C'est ça qui m'énerve. Non, en vrai... Bah... Non, oui, non, vraiment, t'es chiant. Parce qu'en vrai, je me bats tous les jours contre ça. Toute la journée, je ramasse et je range derrière toi. Je te jure, c'est énervant, ça me fatigue. Faut pas être parfait. Non, je sais, pourtant, déjà, c'est pas mal, déjà, au niveau profession. Merci, merci. Mais putain, j'ai marché dans un truc que t'as laissé très bien. Voilà, après, il y a mes chaussures partout. Propres de sport. Tanguy, Tanguy, okay. Il faut que tu arrêtes de faire ça. D'accord. T'es une mèche en l'air de ouf. Je la sens bouger. Elle est vivante. Ok, donc, franchement, et je vais arrêter de me battre avec Tanguy, je vous jure, il avait laissé traîner plein de trucs, là, il faut qu'il les comment enlève. Non, parce que, Tanguy, moi... J'ai vraiment une grosse charge mentale vis-à-vis du bordel. Et moi, je passe beaucoup de temps à ranger l'intérieur des placards, des tiroirs et tout. Et toi, tu passes ton temps à foutre le bordel. Et ça me rend ouf. Noémie, quand on fait des journées ménage, elle range 3 tiroirs. Elle range bien, hein. 3 tiroirs. Je suis pas efficace. Tanguy, il est efficace, mais... Je mets tout dans les tiroirs. Ouais, il range pas, mais tout en bordel. C'est horrible. Je vous montre même pas les tiroirs là, parce que Tanguy les a refoutus en bordel direct. Ça, franchement... C'est pour la tondeuse. Le truc de la tondeuse, bah qu'est-ce que... T'as du chocolat plein les doigts, j'en peux plus de toi. Lily, elle l'ouvre. Mais attends, tu vas toucher au sac avec tes trucs plein les doigts. Non, je ne toucherai pas au sac. Il n'y a plus de place sur la carte mémoire. Vas-y, enfuis-toi avec la mèche volante. Elle a pas volé. Alors, du coup, j'ai juste rangé ces petites vestes. J'en ai mis deux au sale parce qu'elles étaient sales là. Donc voilà, il y en a une au fond. C'est sa première doudoune.
sais pas si vous la connaissez. Et franchement, du coup, je peux pas l'enlever. Ça lui va plus, mais je peux pas l'enlever, j'y tiens trop. En haut, vous savez, on a mis les trucs, là, pour les tours de cou pour le make-up touch quand elle voyage, sinon elle meurt du cerveau. Et là, je vous montrerai pas parce que c'est le bordel de ouf. On dira merci à Tanguy. Là, c'est ses petites chaussures. Mais celle-là, elle les met plus. Pourquoi on les laisse là? Elles vont plus, celles-là. C'est ce Jordan. Non, elles sont trop petites. Ouais, elles sont trop petites. On va les enlever. Les autres, elles sont à ses pieds. Celles-ci, elles sont un chouïa trop grandes. Et ça, c'est ses petites chaussons. C'est un peu... Il y a un peu du coin de Lily, là, quand même. Nous, vous savez, on met nos vestes, hein. Les chaussures Tanguy, hein, bien sûr. C'est bon, tout est rangé à côté de là où ça doit être rangé. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi, s'il te plaît, dis-moi. Mais non, dis-moi, mais non, regarde, hop, c'est bon. C'est tout fait. Est juste à côté, c'est horrible. Hein. La flemme. Je pense que je vais enlever, mais non, c'est mais pas non, normal. Mais non, mais t'arrives. Je vais comme enlever. Ça, hop, tu les jettes comme ça avec tes yep sous le fauteuil là-bas. Non. Ça se voit en pas. En plus, tu les as pas bien. Oh, mais en plus, là, non, c'est la place pour ma deuxième paire. Là, c'est pour nos chaussures de sport. Mais genre de sport. Toi, c'est quoi comme sport ça? Je les mets pas, ça. Et qu'est-ce qu'elles foutent là? Si tu les mets pas, enlève-les. Bah ouais, mais je vais pas les jeter. Elles d'accord, étaient dans t'as mon raison. Sac. Ne les mets pas. Elles juste étaient là. Non, mais elles sont utiles. Elles étaient dans mon sac de sport. D'accord, sac de sport, il est là-haut, c'est inatteignable. Hein. Bah si, regarde pas. Oui, bah oui. Ça, c'est mon pull pour aller au sport quand il fait froid le matin. Oh, waouh. Ça, c'est organisé. Ouais. Souvent, coup... ça, c'est là. Mais du coup, j'avais pris mon sac de sport et j'avais mes chaussures dedans. Mais moi, d'accord, je mets plus ces chaussures-là, je mets d'accord, des Yeezy maintenant. Ok, du coup, voilà. Mais attends, je voulais expliquer. Je vais enlever la doudoune, je pense, parce que là, c'est mort. Hein. Et sinon, il y a plein de vestes de Tanguy Tanguy, mais un peu toutes ces vestes-là. Mais j'ai pas de là, il y a les chaussons. Ça y est, il va dire que c'est de ma faute. Là, il y a les chaussures genre intérieur, extérieur de Tanguy, nos baskets et les chaussures de sport. Très bien. Voilà. Bon, du coup, là, on a dit, c'est vraiment ouais, c'est inadmissible. Là, par contre, je pense que je suis... Non, on est tous les deux fautifs. Tous les deux fautifs. Ouais. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on a acheté hier là, à Ikea, celle-ci. C'est Tanguy qui a eu l'idée. Bah, c'est attends, vrai, j'ai trouvé ça super intéressant. Elle va pas. Si. J'ai eu peur. je la voyais vachement grande là. Bah oui, moi aussi. Et on va faire quoi? On va faire au-dessus pour les casquettes, voilà, en dessous pour les sacs. Faire deux trucs. Ouais. Au moins, on range les sacs, on pose bah, les casquettes est... dessus et on bah, arrête de est... foutre le bordel. Bah, parce que là, ça va plus. Oui, oui, il faut enlever des casquettes aussi, je pense. Non, non, non. Non, d'accord. Allez, on va faire ça hors sacs, caméra parce qu'on s'en fout. Ta 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 ta. Ici, nous avons mis les casquettes. Un sac shopping pour moi. J'avoue que Tanguy ne le prend pas. De la monnaie, vous savez, au cas où. Genre, tu sais, quand t'es en panne de monnaie. En panne de monnaie en dehors de chez toute toi. Toute notre monnaie. Elle est là. Compte pas dessus, elle est chez toi. Ah ouais, elle est dans le placard. Non, moi, j'essaye d'avoir toujours genre 1 ou 2 euros sur moi. Mais par contre, ça, je suis pas trop. Je sais pas trop quoi faire de ça. C'est bon, ah bref. Ouais, ça, les pièces jaunes. Et là, on a mis nos sacs. Voilà, voilà. Prochaine étape. Le robinet. Le robinet. C'est la chose que j'attends le plus. Il y a un autre truc à faire, je crois, dans la buanderie. Ah oui, la Dimo. La Dimo, oui. Bah, ouais, bah ça, c'est pour moi. Ouais, voilà. Alors. Bon, ici, c'est un peu genre, vu que le garage est inaccessible, c'est un peu pour l'instant notre garage. La partie garage là, du Tanguy. Les trucs en attente. Le Tanguy s'est acheté ça. Ouais, je l'ai pas essayé encore. Non, c'est pour ça, il faut garder le carton en attendant, voir si vraiment il marche bien. C'est quand même un peu une partie garage. Bon, ça va, là c'est toujours bien rangé, mais on met plein de colis. Du coup, ouais. En des attente. Trucs qu'on pourrait mettre au garage, on les met là. Parce c'est qu'on ça. On a pas fait le garage encore. Il nous faut une journée complète au moins pour faire le garage. Ouais. Et là, j'ai mis ça au sèche-linge tout à l'heure, mais. Et ouais, mais ça. Ça sèche pas bien, ça. En fait, on l'a mis sur synthétique, donc ça sèche, mais ça, il faudrait le mettre sur serviette plus longtemps. Ah, ok, bah, je le remettrai. Oh, ouais. Ça sèche là, c'est pas grave. Donc. Une Dimo. Pourquoi? Parce que, bah parce oui, que vous savez, c'est minable. L'autre elle est vraiment minable, donc je vais pouvoir m'en servir pour plein de choses. Et dans un premier temps, il faut là que je note à quoi correspond chaque bac, parce qu'à chaque fois je fais n'importe quoi avec le linge sale et du coup après c'est chiant, c'est pénible. Donc moi je vais faire ça. Donc Tanguy il fait son robinet. Enfin, parce que là comme vous pouvez le constater c'est un échec. Vous le savez parce que vous nous envoyez tout le temps des très longs robinets. Donc je sais que vous savez. Là j'ai mes coutons. Ça fait un moment qu'on n'en reçoit plus des robinets. Non c'est vrai, qu'est-ce que vous faites? Là après moi j'ai eu beaucoup le reels d'un mec qui range plein de chaussures ouais, dans une grande pièce. Et là un reels de Gossip Room. Et là c'est pas un reels, c'est une photo je crois. Ah oui peut-être, ouais, oui c'est vrai. En ce tu nous moment, as craché dessus ça. Hein. Ah ouais? Ouais je crois. Non. En ce moment, ah ouais non. Et c'est fou. Excusez-nous. On vous nettoie un peu. On regarde le robinet. Ouais, il manque un bout quand même. Le robinet de bien. Mmh. On va te laisser installer ça derrière, tranquillement. Ouais, on va ouais, pas ouais je vous montrerai une fois que c'est fini. Ouais, bonne idée. Et moi, je vais essayer de voir un peu comment fonctionne cette chose-là. Quoi? Non. Je crois que c'est pas les bons. C'est pas vrai. C'est pas le bon embout. Oh non.
Attends, je l'ai oh mon la tôt, tête oh t'as changé de tête biche ouais. Tu as changé de tête. Oh c'est relou. Oh ma bine. C'est pas grave, on va s'en sortir. On va y arriver. Oui. Amy, elle pense qu'on vous a demandé assez de choses, mais moi je pense qu'on on demande jamais assez. Moi je pense qu'on a posé beaucoup de questions et qu'ils en ont marre. Ah ouais, vous en avez marre, dites-le. Si vous en avez marre, dites-le nous. Elle a marqué tous les trucs. Je trouve que ça fait vachement joli. C'est sympa. Voilà, moi aussi j'adore. Et c'est mais super simple d'utilisation. Genre, tu mets ta lettre, t'appuies. Tu veux faire un espace, hop, tu t'appuies un espace. Tu veux couper, t'appuies. Coup. Et c'est trop bien. Il n'y a pas de pile, il n'y a rien. C'est trop bien. Le truc qu'on n'avait rien à voir, c'est un truc complexe. Ah oui. Et c'était moche. Une genre de vieille calculette. Quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Ça, c'est pas cher. Et c'est super. Ouais, c'est vraiment bien. Genre. Mais du coup, je refais serviette. Hein. Et donc, bah ouais, parce que du coup, elle m'a dit à couleur, je mets S, j'ai dit non. Oh. Du coup, elle a mis des S nulle part. Mais ouais. Torchon, bon, torchon sans S, on peut le laisser. Oh putain, mais t'es chiant, tu vois, j'aurais pas dû. Mais non, mais laisse-le. Non. Mais serviette, moi j'aurais mis un S à serviette. Ouais, et drap aussi. Qu'est-ce que vous auriez fait? Vous auriez mis un S? Vous auriez mis un S partout, peut-être même à couleur, dites-nous. Pour le moment, je pense. Couleur torchon, on va laisser comme ça. Ouais, mais non, torchon, c'est pareil, faudrait mettre un S. Bah oui, hein, je t'écoute plus, torchon. Mais je t'ai demandé ton avis, je t'ai écouté. Pas... Mais que pour couleur, moi j'ai du couleur, c'est la couleur. Bah. Ou les couleurs. Ouais, la couleur, c'est vrai. Tu vois, c'est un peu ambigu. Ouais. C'est comme blanc, le blanc, tu vas pas mettre de S, c'est du blanc. Madame, c'est super cool. Franchement, j'ai fait bébé, torchon, blanc, couleur, donc j'ai pas mis de S à couleur du coup. J'ai pas mis de S à bébé, évidemment, il y en a qu'un. Délicat, serviette. Travaux, drap, j'ai pas mis de S à délicat. Il y a un S des fois à délicat ? Bon, sur la machine, il n'y a pas de S. Hein. Ok, d'accord, on va. Bon, on a dit, on laisse pareil. Hein. Ouais. Et là, bon, c'est horrible. Hein. Bah, ouais. C'est particulier. Ouais, bah surtout en plus, c'est sur un truc argenté. Ouais, mais bon, faut démonter ça, c'est-à-dire tout changer. Ouais, ouais, mais c'est pas beau. Hein. Franchement, ça fait. C'est disproportionné. Ouais, j'ai même pas les mots. Oui, il en finit. Je trouve même pas les mots, mais on est obligé. On dirait quand on a fait une photo avec le panoramique, tu vois, tu fais. Ouais, grave. Tu avances ton truc en même temps. Puis le fait qu'il soit noir, c'est très tranchant avec le reste. C'est pas très délicat, quoi. Tu vois. T'aurais voulu pas noir. Chromé, ça aurait été pas beau. Non, non, ça aurait pas été beau. Mais bon, c'est vrai que c'est noir et tout le reste est chromé. Oui, mais là, c'est noir. Ah oui. Et oui. Mais ça, par contre, c'est génial. Ah oui, non, ça, c'est trop cool. Pour nettoyer les outils et tout, tu fais comme ça. Il faut ouvrir ça par contre. Et c'est fort, hein. Non, c'est bien. Il est bien, sur ouais, ouais, franchement, il est pas beau. Mais on n'avait pas grand choix. On n'a pas trouvé de truc qui se dépliait. On n'a rien trouvé. On a trouvé ça sur Amazon. Ouais. C'était pas donné. Mais pas non plus hors de prix. Non plus. Ouais, on n'a plus de place, on n'a plus de batterie. Et la qualité est quand même bien. Ouais, non, la qualité a l'air bien. Qualité. C'est pas ouf visuellement. C'est que c'est trop long. Mais oui, oui, non, non mais. De toute façon, les robinets comme ça, c'est moche. Oui, non, complètement. Moi, j'aurais jamais mis ça, mais bon, c'est ainsi. Voilà! La buanderie est finie. Maintenant, on va un peu glow up la chambre. Pour l'instant, on n'est pas du tout occupé. C'est pour ça que vous la voyez jamais. Ouais, c'est il y a vraiment des cartons un peu partout. Ça, c'était dans le dressing de Tanguy. Tanguy a fait son dressing, par contre. Ouais. Sur Insta. Il faut nous suivre sur Insta. En fait, dès qu'on fait des trucs qu'on vous montre pas en vlog, on monte sur Insta. Mmh. Donc ça vous fait vraiment un complément. Ça, c'est toujours intéressant. Et sur la chaîne principale, je montre les trucs vraiment genre ma pièce maquillage, les trucs pour moi quoi. Mmh. Et du coup, on n'a jamais rien fait dans cette chambre. On voulait, on a acheté le cadre pour mettre autour de la télé. Bah ouais, pour moi on l'a laissé noir. Ouais. Puis là, Noémie a dit pourquoi on mettrait pas blanc. Ouais. Moi je suis pas super fan. Et on a acheté des LED. On les a achetés pour la chambre, mais en réalité, en fait, on a ce qu'il faut vraiment pour mettre les LED. Enfin, c'est vraiment vraiment cool. C'est là, fait exprès. Ouais. De base, il avait prévu de mettre des LED et l'ancien propriétaire, il l'a jamais fait. Ouais. Et ça, il me l'avait dit. Il m'avait dit tout est fait et tout. Il n'y a plus qu'à les mettre. Donc, j'ai commandé déjà pour la chambre. Voilà, parce qu'en avant fait, avant de me lancer dans le salon où je sais pas combien il y a, mais il y en a énormément. C'est quoi. Ça. On a préféré la jouer un peu. Ah merde, c'est pas ouvert. La jouer un peu sécure et tester dans une petite pièce. C'est pour ça qu'on va faire ça là. On va pas vraiment glow up la chambre là, honnêtement. On s'en est pas du tout occupé. La prochaine pièce, c'est Lily. Et on finit le salon et tout. Mais ouais, on va. T'as commandé sur Amazon ça, les LED ? Ouais, sur Amazon. Franchement, tout ce qu'on vous a montré aujourd'hui, pratiquement, on l'a pris sur Amazon. On vous mettra les liens si jamais ça vous intéresse. Mais oui, c'est sûr, ça fera mieux, bichin. Ouais, regarde. Je suis sûre, hein. Mais oui, ça se fera. De toute façon, il n'y a pas trop le choix. C'est soit noir, soit blanc. Soit bois. Mais bon, blanc sur blanc, je sais pas trop. Bah si, moi j'aime bien. Au moins, ça tranche moins. Ok. Tu vois, le but de la chambre, c'est qu'elle soit un peu épurée. Mmh. Donc pendant que Tanguy fait ça et les LED. Je vais commencer à trier un peu mon bazar. Il y a un aspirateur aussi ici. J'ai vraiment du bazar là. On a le rétroprojecteur. Des trucs qui vont vraiment dans la chambre. Il y a Chacha qui se balade devant.
Je vais un peu m'occuper de tout ça. Il faut qu'on vire la chaise de bureau, là. Je vais faire ça. Démonstration! Bon, il fait pas nuit, hein, mais... On a fermé, du coup. Oh, j'adore! Mais attends, ça change tout seul? Ouais. Mais oui, tu peux... en automatique. Ah, tu veux quelle couleur? Vert. Rose. Non, je veux rose. J'adore. T'es quoi, sérieux? C'était une blague ou... Non, j'ai pas failli tomber. Franchement, je trouve ça super et ça me donne envie de m'attaquer à la chambre une bonne fois pour toutes. Tellement je trouve ça beau. Tu peux même baisser la luminosité. J'adore. Et tu peux même le faire... Il y a une application, apparemment. Pour faire quoi? Bah, tu peux le faire en application, sur ton téléphone. Plutôt que d'utiliser la télécommande. Oh, ça sert à rien. Bah, peut-être que ça marche mieux. Ça doit être en Bluetooth. Ouais, d'accord. Je sais pas. Mais bizarre. Trop bien, moi je valide de ouf. C'était pas très cher en plus, si mes souvenirs sont bons. 17 euros, je crois. Franchement, ça va. Pour 2 x 7,50 m, je crois. Pas mal. Ça faisait 15 mètres ou 20 mètres, je sais plus. C'est pas mal. Je vous mettrai le lien. De toute façon, non, c'est vraiment pas cher. Par contre, c'est... Tu cries, non? C'est pas bout à bout, la distance. En fait, il y a deux trucs. Ah. Tu vois? T'en as un de 7 mètres, un de 7 mètres pour faire ouais. 15. 7 mètres 50, 7 mètres 50. Et du coup, ben moi, vu que c'est rond, je les ai fait partir comme ça. Parce que t'as deux prises sur ton boîtier. Ouais. Mais si tu dois faire un truc tout long... Je sais pas comment tu peux faire. D'accord, normalement, tu dois pouvoir les associer au bout, mais là, il n'y avait rien, au moins que tu les soudes ou quoi. Je sais pas si ça fonctionne. D'accord, ok. Donc, pour le salon, je sais pas comment on va faire. Tu vas trouver une solution. Il faudrait en trouver qui font tout le tour. Enfin, ah, donc pas ceux-là. Bah non, ceux-là, ça marchera pas. Ok, d'accord. Donc, faudra voir, quoi. Ok. Mais bon, en tout cas, je valide. Mmh. J'ai déjà débarrassé tout ça. Ça, c'est un colis vide, il faut tout que je jette. Mais il faut que je continue là-bas, ce carton-là, la chaise et ce truc-là. Et voilà, là c'était du bordel jusque-là. Ça faisait vraiment genre tout le dessous de la fenêtre comme ça, donc je suis vraiment contente. Ma table de nuit, j'ai récupéré toutes mes affaires, ça fait un peu chargé, mais du coup, faut qu'on meuble là. Je vais me poser ce soir et je vais faire toutes les commandes. Très bien. Parce que ça va mettre du temps à arriver, surtout le lit, souvent ça met plusieurs semaines. Ouais, 5-6 semaines minimum. Et on a commandé un tapis. On l'a commandé, il était livré genre on assez rapidement. Non, je crois non. pas, non. En 3 semaines, il devait être livré, et finalement, en 6 semaines, ça a été décalé. Ouais, c'est mais des les autres nazes. Trucs, ça fait plus de 3 semaines, on n'a rien reçu. Ouais. Mais si on l'avait dit qu'il y avait des... Oui, mais on n'avait pas dit que le tapis avait été... Ah oui. Finalement, le tapis est passé de 3 semaines à 6 semaines, ouais. quoi. Au bout de 3 semaines. Oui. Et les autres trucs, on sait toujours pas, c'est toujours expédié, rien. Ouais, trop chelou, mais genre des verres, des trucs comme ça. Enfin, ça sert à rien de les expédier 2 mois plus tard, des verres. Ouais. C'est abusé. Ça fait un mois qu'on en a plus, fait la commande. En plus, c'est des trucs un peu, genre le site il fait un peu créateur et tout. Mmh. Et il n'y a rien qui est livré fait rapidement. C'est un peu dommage, je comprends pas. Tu vas voir que ça va être livré quand on sera pas là. Ben, c'est ce que je me dis, alors qu'on a commandé. En plus, ils vont pas nous prévenir et ils vont arriver. Oui, on est là. Ouais, et on va se faire engueuler. Voilà. Bah, bref. Chacha, t'as pas le droit d'être là. Comme ils ramènent des tiques dans la maison. Eux, ils se font pas piquer. Mais ils peuvent les ramener. Non. Il va se barrer. Oh, c'est plus l'heure de sortir, Chacha. On va clôturer ici parce qu'on est au bout du rouleau. Oh, j'ai transpiré de ouf. J'ai même fait ma séance de sport. Je me suis pas encore douchée. Moi aussi, j'ai transpiré. Ouais. Je suis allée tondre la pelouse partout. Tu dois être au bout du rouleau. T'es pas sale? Si, un peu. Pour t'asseoir sur le lit tout propre que je viens de changer? Non, regarde mes pieds. Vous voulez pas voir ça? J'ai pas la main verte, j'ai le pied vert. Ah ouais, ils sont verts. J'ai tendu pieds nus, donc oui, j'ai vu. Forcément. J'étais outrée quand j'ai pu. J'étais pas pieds nus, oui, j'étais en birk. Oui, t'es birk, mais bon, c'est pareil, t'as envie, tu fais pas ça. Mais le gazon, y a pas de cailloux, y a rien. Et alors? On sait jamais. Tu mets pas ton pied. C'est le truc qui te tombe. J'espère que tu salisses le lit que je viens de changer. Non. Non, regarde. Non, mais c'est le truc qui te tombe que t'es des choses, il faudra avoir des chaussures de sécurité. On va clôturer, mon bras il tient même plus. Bon, ben on espère que ça vous plaît. Oui. On vous fait des gros bisous et on vous dit à bientôt. Ciao. Allez, salut.